Bonjour à tous. Donc là, on va faire un petit. Bon, je viens d'essayer un petit truc. Et on va faire un le carré suivant. J'ai essayé quelque chose, j'ai oublié de le défaire avant de vous montrer. Donc, alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. Je viens d'essayer. Bon, ça va, c'est pas encore trop compliqué. Prenez votre fil. Donc ça, c'est un carré, mais avec des faisceaux de bride. Donc, ils appellent ça des faisceaux de bride. On va dire plutôt des points soufflés. Donc, on va faire 6 fois le tour du doigt. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prend le crochet et on va piquer en dessous. Donc on va passer en dessous de tous les fils. On va y arriver. Là, c'est pour faire une base. Un petit peu plus rembourré, bah, ça ne veut pas, ça y est. Si, allez, on est passé. On va donc récupérer le fil. Toc, toc. On fait passer à travers le fil et là on va faire une maille en l'air. C'est un peu un nœud coulant mais avec 6 tours autour du doigt. Voilà, donc ça fait un petit peu plus rembourré. Donc maintenant on va faire une maille en l'air. On va refaire 12 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Donc, une, deux, et 12. Donc dans la première maille en l'air, on la voit bien ici, la première maille en l'air, on va faire une maille coulée. Alors si le crochet veut rentrer dedans, c'est toujours compliqué au début. Toujours. Donc dans la première, c'est celle-ci. Hop là, on pique dedans, voilà, on a réussi et on fait une maille coulée. Donc là, ça fait un petit peu plus épais. C'est pas mal. C'est joli. Après, il n'y aura plus qu'à couper le fil. Parce qu'à mon avis, avec les 6 tours, il n'y a pas besoin de rentrer le fil. C'est sympa aussi. Donc, on va faire la suite. Donc maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une maille serrée et 2 mailles en l'air. Ça, c'est ma première maille serrée. Donc là, je pique dans la suivante. Je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Vous allez faire ça tout le tour. Donc, 2 mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée, etc. etc. Je vais vous retrouver à la fin. Avec 2 mailles en l'air, je vous remonte une dernière fois. Et une maille serrée dans la maille serrée suivante. Voilà, donc on va finir ça comme ça. 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, etc. etc. Je vous retrouve à la fin. Voilà, donc pour la fin, on fait 2 mailles en l'air et on va piquer dans la première maille en l'air ici. Hop, on pique, voilà, et on fait une maille coulée. Ben voilà, on fait une maille coulée. Voilà, pouf, heureusement que vous ne voyez pas ma tête. Donc ça, c'est le deuxième tour, on arrête le fil. J'aurais dû le couper tout de suite. Tac. On arrête le fil et on prend notre deuxième couleur. Donc moi je prends du blanc. Là. Donc avec le blanc, je le mets sur mon support si mon support le veut. Voilà. Tac. Donc on va prendre n'importe lequel des arceaux. Ben, moi je vais prendre celui-là. On va mettre notre fil dedans. J'ai fait plouf plouf plouf. Ce sera toi le premier arceau. Oui, bon, des fois je suis fatiguée, je raconte des bêtises. Allez,
trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et on va commencer nos brides. Donc, on fait un jeté, on passe à travers les deux boucles. On garde nos deux boucles. On fait un jeté, on repasse à travers. Donc là, on va en faire trois, puisque c'est le premier. Vu que les trois mailles en l'air du début comptent comme une bride déjà. Donc ça, c'est un point soufflé, hein, tout simplement. Donc là, on a quatre anneaux. On fait un jeté et on passe à travers le tout. Et maintenant, on va faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et on refait dans le suivant un groupe de quatre brides commencées ensemble et arrêtées ensemble. Un point soufflé. Deux. Trois brides. Et quatre brides. Hop là. On finit. 1, 2, 3 mailles en l'air entre chaque bride. Et on refait une bride dans l'arceau suivant. Une seconde. Une troisième. Et une quatrième. Voilà. Et on passe à travers. Donc on va faire ça tout le long. Donc 3 mailles en l'air. Je vous remonte une dernière fois. Un groupe de 4 brides commencées ensemble, finies ensemble, dit également faisceau ou point soufflé. 2, 3, 4. Dites-moi si je me trompe. Ça pourrait arriver. Et voilà. 1, 2, 3 mailles en l'air. Allez, le dernier. Montrez avec le fil caché. Alors, on fait 1, 2, donc on commence les brides, mais on ne fait jamais le dernier jeté. 3 et 4, et là on a 4, 5 boucles sur le crochet, on fait passe à travers. Voilà, vous allez continuer ça jusqu'au bout et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc là on va continuer avec un autre fil. Hop là, je coupe tout de suite mon blanc. Je prépare le suivant. J'aurais pu le faire avant de remettre en route. J'ai un peu oublié. Voilà. Donc on a fait les trois mailles en l'air et on va venir piquer ici pour faire une maille coulée pour pouvoir finir ce rang. Et on va, moi je refais une maille en l'air. Moi je dis toujours, moi je refais. Une maille en l'air, voilà, pour finir le rang. C'est joli. Une petite fleur. La suite. Donc, on fait un nœud avec la couleur suivante. On va piquer dans n'importe quel arceau de trois mailles en l'air. Vous allez récupérer le fil. Voilà, pour une fois, ça s'est bien fait correctement. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en l'air. Et maintenant, on va refaire une bride. Ça, c'est pour le début. Une maille en l'air. Et maintenant, on va faire un faisceau de 2 brides. C'est-à-dire, on récupère le fil, on commence notre première bride, on fait un jeté, on récupère le fil, on fait notre deuxième bride et on fait un faisceau. Voilà. Donc là, on va faire des faisceaux comme de 2 brides à chaque fois. On ne fait pas de maille en l'air. Là, on pique, on récupère le fil, on fait la première bride commencée. On fait la seconde. On a 3 mailles sur le crochet. On récupère le fil et on passe à travers. Une maille en l'air. Et on répète un deuxième faisceau de 2 brides commencées ensemble et 2 brides arrêtées ensemble. Et on passe au suivant. Donc c'est à chaque fois deux brides commencées et arrêtées ensemble, une maille en l'air, deux brides. On continue, on fait pas de maille en l'air entre. Donc première bride, seconde bride, on récupère les fils, on passe à travers le tout, une maille en l'air et on recommence.
Une fois. Et deux fois. Et on passe à travers. On ne fait pas de maille en l'air. On va dans le suivant. Essayer de récupérer le fil en même temps pour le coincer. Une première. Une seconde. On récupère le fil. Une maille en l'air. Une première bride. Une seconde. Commencer et non pas fini. Et on passe le fil. Et on fait pas de maille en l'air. On passe dans le suivant. Et on refait. Donc deux brides commencées et arrêtées ensemble. Une maille en l'air. On recommence. Une dernière fois, je fais doucement. On passe à travers les deux boucles. On refait notre bride suivante. J'aurais peut-être dû le faire avant ça, tout doucement. On passe à travers les deux boucles. On a trois boucles sur le crochet. On passe à travers les trois. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang et pour faire le dernier. Donc là, on a fini ce côté-ci, ce rang-ci. On pique dans la première des trois mailles en l'air. On récupère le fil. On fait notre maille coulée. Je refais maille coulée. Et on a un joli rond. Et ben maintenant, il va falloir le faire en carré. C'est ça le défi. Alors, on va voir si j'ai bien compris. Piquez dans n'importe quel arceau. Donc, vous récupérez le fil. Vous faites une maille coulée. Voilà. Hop là, on récupère bien le fil. On fait une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Une double bride dans le même arceau. D'accord, jusque-là, ça va. On fait une double bride dans l'arceau suivant. Ici, donc, entre les deux. Groupe de deux brides. Une double bride. Ensuite, vous allez faire une bride. Dans les trois prochains arceaux, on va faire deux brides. Dans les trois prochains, donc. Une. Deux brides. Trois fois, donc. Une bride. Deux brides. J'ai fait deux fois, donc je refais une troisième fois dans l'arceau suivant. Une bride et deux brides dans le suivant. Une bride dans l'arceau suivant, vous faites une bride et une double bride. Finalement, on va suivre ce schéma-là tout le long. Une bride, une. Hop là, je me suis loupée. Une double bride dans l'arceau suivant. Deux doubles brides. Une double bride. Une deuxième double bride. Voilà. On va faire le coin. Deux mailles en l'air. Et dans ce même arceau, vous allez me refaire deux doubles brides. Hop là. Une double bride et une seconde double bride. Et en fait, ça formera notre carré. On verra ça à la fin, ça se verra mieux. Ensuite, une double bride dans l'arceau suivant et une bride. C'est pour descendre un peu, pour que ça fasse vraiment droit le carré. Et une bride. Une double bride, une bride. Trois fois. Deux brides dans chaque arceau, sur trois arceaux, deux brides. J'en ai fait un. Je fais mon second. Deux brides dans le deuxième et deux brides dans le troisième. Une et deux brides. Je pense que je vais le faire avec vous jusqu'au bout. Dans l'arceau suivant, une bride. Et une double bride.
L'arceau suivant fait le coin, donc c'est deux doubles brides. Deuxième double bride. Deux mailles en l'air. Et à nouveau deux doubles brides dans le même arceau. Ensuite, une double bride dans l'arceau suivant et une bride. Bon, je pense que vous avez dû comprendre. Dans les trois prochains, une, deux, trois, deux brides. Ensuite, vous refaites une bride, une double bride. Deux doubles brides, deux mailles en l'air, deux doubles brides. Une double bride, une bride, etc. Vous continuez comme ça jusqu'au bout et ça vous fera votre petit carré. Pas mal, hein? Bon, je vous montre le résultat à la fin. Et voilà, donc moi j'ai fini mon carré. Alors j'ai eu un petit souci, j'ai dû me tromper au niveau du orange dans mon comptage. Donc normalement vous devez avoir 12 arceaux, c'est-à-dire vous devez en avoir 12 blancs. Moi j'en ai 13. Donc j'en ai un de trop. Donc j'ai eu un petit souci à la fin, j'avais pas le compte exact. Donc il faudra bien penser, il vous faut 12 arceaux, donc 12 fois le blanc, et non pas 13, comme moi. Je vais pas refaire le tout, donc bah, ça ira très bien pour le plaid que je vais faire. Si vous vous trompez aussi, ou si vous voyez à la fin, je vais le mettre dans la description. Ce que je fais, moi je prendrai ce fil, et quand je le rentrerai, je tirerai bien ici, je vais le passer là derrière, et je vais le repasser dans celui-ci, et je vais bien tirer pour que ce soit vraiment moindre, comme ça on ne verra pas trop la catastrophe. Mais je vais bien le mettre dans la description, comme ça tout le monde le saura. Bonne journée!